likez, vous dislikez. Non, c'est pas ça, c'est pas grave, hein. Vous avez compris, hein. Vous causez ça, bon. Je vais vous présenter un projet que je mûris depuis 10 ans et qui faisait beaucoup de broderies, beaucoup de chaînettes. Ça avait des, je faisais à peu près tout. Mais pour faire le remplissage des open chaînettes, il faut beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Et à un moment, je me suis dit, je voudrais bien décorer les jeans de mes enfants ou de mes petits-enfants. Mais je ne pouvais pas m'amuser à faire des plaques comme ça de broderie open chaînettes qui m'auraient demandé des jours et des jours. Donc je me suis dit, il faut que j'utilise la méthode de l'appliqué. Le problème de l'appliqué, c'est que il faut faire des rentrées, donc faut rentrer les bords pour que ça ne s'effiloche pas. Donc je me suis dit, si je trouvais un point qui permet de fixer ces morceaux de tissu en coupant les bords à cru, sans les replier, et qui empêche quand même le tissu de se défaire et de s'effilocher trop, il y aurait moyen à ce moment-là de faire tous les dessins qu'on veut et toutes les découpes qu'on veut, en fait. Donc j'ai cherché. J'ai donc utilisé le point de chaînette de manière verticale pour fixer des morceaux de tissu. On utilise donc le fil à broder. L'intérêt du fil à broder, c'est qu'il y a des centaines de couleurs différentes. Donc on peut être très créatif avec ça. Et donc il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à faire ça. Et j'ai remarqué il y a quelques années que plus on allait et plus les jeunes aimaient bien se faire des trous dans les jeans, gratter leurs jeans, les acheter tout gratter, les acheter tout troués. Maintenant que j'ai des petits-enfants adolescents en plus, je leur ai dit, c'est pas un peu idiot votre truc là, vous pourriez pas faire vos trous là et les améliorer ou faire des choses originales ou... Après, j'ai rencontré dans ma famille des jeunes femmes qui me disaient « Oui, mes mômes ont des trous sur les genoux, j'arrive pas à les réparer, je fais du thermocollant. » Donc j'ai essayé de trouver des idées rigolotes pour réparer les jeans. Et comme je suis assez passionnée de peinture, j'ai cherché parmi les peintres que je connaissais un petit peu s'il y avait des dessins qui m'inspireraient. Et j'en ai trouvé pas mal finalement. Et entre autres Keith Haring, je suis passionnée aussi de street art, donc d'art des rues, de graffs, de graffitis, je trouve ça très très beau. Donc j'ai commencé à reproduire des graffitis, je les ai fait d'abord entièrement au point de chaînette, donc c'est quand même assez fastidieux. Et je me suis aperçue qu'en fait les aplats de couleurs, je les ai remplis avec du tissu que j'ai fixé, etc. Et je me suis aperçue d'autre chose aussi, c'est que le PCV que j'avais utilisé, il est extrêmement solide en fait. Il tient très bien les trucs. Et j'en suis même venue à réparer un hamac. J'ai pris des gros morceaux de tissu, j'ai fait un patchwork dessus, sur une face entièrement. En utilisant ce point, je fixais un premier morceau et je fixais le deuxième morceau à côté, encore à nouveau avec ce point. Donc ils se chevauchaient un petit peu, les points. Et en fait, maintenant, on peut peser 80 kg et se mettre dans le hamac et il tient très bien. Donc je me suis dit, là, j'ai vraiment testé la solidité du point et son élasticité. Maintenant, j'ai d'autres enfants qui m'ont dit c'est bien joli toutes tes fantaisies là, mais moi j'ai un jean avec lequel je bosse, je bricole, je fais de la peinture, je fais je sais pas trop quoi, je répare ma bagnole, j'ai des trous dedans, et comment je fais pour le réparer? Alors, il ne s'agit plus de faire les petites réparations rigolotes pour le gamin sur le genou, il faut que ça tienne. Et donc je me suis mise à ce moment-là à faire des réparations. Donc par exemple, raccourcir son jean, rallonger même si on veut. Couper un short à partir d'un jean pour l'été, là vous en avez marre de votre jean, il est abîmé, vous voulez faire un short. Donc faire les franges et donc j'ai inventé d'autres méthodes en dehors des appliqués avec la dentelle pour les filles. Ah oui, bah, et puis les fameux trous, puisqu'on vend des jeans avec des trous, il faut que j'apprenne à mes petits-enfants à faire eux-mêmes leurs trous pour voir apparaître des fils blancs, pour voir apparaître des fils bleus, des choses comme ça. Je pensais faire un livre avec tout ça. Et ma petite fille de 15 ans m'a dit « Mais mamie, ça se fait plus, les livres, on les lit plus. » Ok, elle m'a dit « Mais je fais quoi ?» Elle m'a dit « Bah, tu vas sur YouTube. »